Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 300 de Stage One. Ça fait 300 vidéos qu'on est ensemble, 300 jeux différents. Et nous allons jouer aujourd'hui à Craven Manor. Alors ça se joue pas avec la manette, j'avais pris la manette dans la main mais non. J'y ai jamais joué, je l'ai démarré une ou deux fois, j'ai vu que ça jouait pas avec la manette. Je l'ai mis en français parce qu'il est en français, il est en plusieurs langues. Donc c'est parti pour cet épisode 300. Ça fait plusieurs fois que je vois passer le nom du jeu, en tout cas le nom du jeu me dit quelque chose. Et donc du coup je me suis dit pourquoi pas, pourquoi n'y jouerait-on pas? C'est parti. Oula. Normal ou cauchemar? Vous explorez le manoir. Ok, c'est un truc d'exploration, normal. Et pas facile. Genre débutant. Genre mec qui sont... voilà. Hein. Et c'est parti. Les monte-plats dispersés dans le manoir transportent les objets importants jusqu'au hall d'entrée. Craven Manor. Le manoir des Craven. Ah mon dieu, c'est un jeu qui fait peur ou quoi? Non. Un jeu à FPS. Ah non, WSD, mais ta sœur quoi. C'est sérieux, ça peut pas jouer avec le... Résolution, qualité graphique, on s'en fout. Plein écran, langue inversée par défaut approuvé. Ah non, c'est commande. Alors, c'est déplacé vers l'avant, c'est déplacé vers l'arrière, c'est déplacé vers la gauche et c'est déplacé vers la droite. Activer, désactiver, ouvrir le jour, fermer le journal, ok. Courir avec Shift. Ok, on approuve. On reprend. Ah, c'est mieux. Donc on a un petit pointeur au milieu. On peut faire des choses, j'imagine. Non, genre ouvrir des tiroirs. Non. Attends. J'ai des hallucinations, il n'y a pas le... Ah, il pète les couilles hein, avec le... Avec le... Comment ça s'appelle? Avec la synchronisation verticale. Bon, j'espère que ça se verra pas trop sur la vidéo. Sinon, ça me pète un peu les 1. Bref, on va jouer. Ça m'emmerde, mais bon, allez, on joue, c'est pas grave. Mon épisode 300, c'est tout niqué, je suis dégoûté, mais c'est pas grave. Alors, emplacement en étal. Succès déverrouillé, secret de Lord Craven. Sans pouvoir accueillir un objet rond. C'est bien. Non, pas si les deux lisent le jeu pour l'instant. Oh putain, ok, d'accord. Ce truc qui fait super peur. Une sinistre statue de bronze posée sur son piédestal. C'est bien le petit grésillement qui sert juste à te faire chier. Putain de jeu qui fait peur. Il y a de la poussière qui vole en plus. C'est fermé, c'est fermé, c'est fermé. Oh. Allez, vous savez ce qu'on va faire? Augmenter un poil de gamma. Parce que je vois juste pas. Putain, l'autre qui se tourne. Culé. Elle se tourne. Les statues qui bougent. Ok, c'est fermé à clé. À l'aise. Photographie. Un modèle réduit, élaboré au manoir avec des salles de meubles. Putain, pisto. Super peur. Il fait peur ce jeu. Avec ses ongles jusqu'au sang. Regarde lui qui se tourne vers moi. Hein, espèce de connard.
Dès que je me tourne, il tourne vers moi. Oh putain. C'est flippant. Culaire. Ah ouais, d'accord, il y a un petit truc qui me dit qu'il faut que j'aille là. Je sais pas si c'est pas plus flippant que tout le reste, en fait, ça. Ah tiens, je peux le prendre. Ouh. Ok, non, ça sert à rien. Soit tu le lances, soit tu le laisses. Ok. C'est fermé à clé. J'ai pas envie d'y aller là-bas. Parce que c'est là le jeu, il me dit d'aller et j'ai pas envie. KM. Bon allez. Trêve de plaisantation, on va aller voir ce qu'on a. Putain, je sens que le jeu va faire peur. Ah putain. Paye ton gamin, quoi. Louf. Et il y a un truc de réalité, c'est qu'on enlève l'étoile d'araignée en passant. Les secrets merveilleux de la nature par Albert Magnus. Flof, flof, on enlève l'étoile d'araignée. On fait le ménage. Aïe. Je dois ressembler à une grosse barbe à papa. Putain, j'entends des bruits, quoi. Je suis pas loin de cette salle froide, hein. Cette maison est censée être abandonnée, pourtant quelqu'un a bien dû allumer ce feu. Elle a bien dû se faire chier en plus. Bon, moi je m'en fous, je fais l'étoile d'araignée, parce que c'est cool l'étoile d'araignée. Le poème épique traite de la fable biblique de la chute de l'homme. Oui, la chute de l'homme, c'est quelqu'un qui a un accident. Fermé. Ouvert. Fermé. Bon, arrête. Alors, est-ce que je peux... Ah oui, courir. Normalement, je peux courir. Donc, si on peut courir, c'est qu'il y a un moment donné où rien ne sert de courir. Non, enfin, si. On va courir. Pour une raison X. Pour soulever, lâcher et manipuler certains objets. Quand la main apparaît. Ah, ça veut dire qu'il y a quelque chose à soulever ici. Choisir votre objectif. J'ai trouvé le modèle réduit de la cave à marine. Il correspond à la maquette que j'ai vue dans le hall d'entrée. On va aller dans le hall. Oui, ça déclenche des événements. Je m'y attendais pas. Ça fait peur. On peut plus passer là. Il y a des choses qui ont bougé. Des livres qui sont apparus. What the fuck? Putain, le bruit. Ok. Ok. Bon, bah là, ça fait plus peur, évidemment, mais... Éteindre votre lampe torche. Ah, putain, on a une lampe torche aussi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise aussi? Évidemment, il n'y a plus les statues là-haut. Hein? Elle est plus là. Évidemment. Puis ça s'est tout pété. Pour déplacer la pièce. Tourner la pièce. E sorti. Clé. Clé, 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 clé. Je vais allumer ma torche. Est-ce que je peux rentrer là-dedans? Peur! Je m'attendais à un jeu d'aventure, je m'attendais pas à un jeu d'horreur. Vous pétez les couilles! Vous avez bien du bruit quand on marche. Maquette de la cave à vin. Ok, bah on peut rien faire. On sort. YOLO.
Je vais reprendre la petite clé. Ah, la lumière s'est allumée. On a retrouvé le courant, le courant, le courant. Ah putain, oui. Ah, il fut arraché de mes mains et se positionna à la table comme si sa place était là. Ensuite, j'ai entendu le bruit que font les pierres qui entrent violemment en contact. Si je me souviens bien, le modèle réduit de la bibliothèque était placé plus tôt et désormais il avait disparu. Ok. Et ben, c'est bien. Je vais essayer d'ouvrir une porte parce que tout à l'heure il y avait plein de portes fermées. Alors, il y en avait une que je peux ouvrir avec la clé. C'est pas la clé qui me mène à l'extérieur. Je me demande en fait pourquoi je suis là. Voilà, voilà. Ça, c'est la question qu'on se pose souvent dans un jeu d'aventure comme ça. Qu'est-ce qu'on fait là? Et pourquoi? Pourquoi ne sortons pas de cette pièce? Bon, bah, je sais pas ce que j'en fais de ma clé. Ça fait super peur! Les bruits font peur. Mais c'est bien, la lumière s'est rallumée. Enfin, ça dépend. Allez, monte charge. Il est pété. Il manque une pièce importante au fonctionnement de cet engrenage. Et j'ai perdu ma clé. Cela ressemble au pivot d'un levier manquant. J'ai perdu ma clé. Allez, passez où ma clé? Ok, j'ai perdu ma clé. Tranquille. Normal. Ah putain, ce truc me dit. Bon là, il faut mettre un truc rond. Je sais pas, j'ai perdu ma clé. Elle est pas revenue là, on est d'accord. Eh ben, je sais pas où aller. Ah ouais, ok. Donc là, il me dit d'aller là-haut. Donc genre, la porte, elle est ouverte là maintenant. Ah ouais, d'accord. Ok, donc le fait que je pose la pièce là-bas par rapport à là où j'étais, en fait, ça m'a ouvert une porte. Ouh, allez, on y va. Sauvegarde en cours. Ça donne envie d'y aller. Fait peur. Une note destinée à un cravate métallurgie, les voleurs et fainéants seront poussés une formation. Je sais pas si j'ai une infinité de. C'est la cave à vin. Ah putain, ça va faire peur, ça va faire peur. Ça fait peur. Où est-ce que je vais? Oh, putain. Il y a des bruits de ouf. Ah, sans déconner, j'espère que cette vidéo, elle a pas bugué. Ça vous avez vu que ça m'arrivait des fois de bugger des enregistrements, de devoir recommencer. J'ai pas envie de... Je viens d'avoir des frissons, les gens. Genre un de ouf, quoi. Ouais, on va s'arrêter là, je crois. On va s'arrêter de jouer à ce jeu. Allez, on avance encore un peu. Encore 2 minutes. Putain. Ça va, il n'y a pas de réflexe à avoir. C'est juste des trucs qui font peur. Mais bon. Ça fait peur.
Ah, vas-y, il y a du sang partout. Genre, la statue, elle aurait allumé un feu de cheminée, quoi. Qu'est-ce qu'on essaye pas de me dire? Ah, putain, c'est tout droit, ça avance. Get out. Donc elle me dit de me barrer, mais je peux pas. Ok, je peux plus. Je peux plus me barrer. Mais pour courir, mais où? Dernier point de sauvegarde, bah c'est parti. Hein. Bah il m'a dit de courir, mais en fait, pas compris parce qu'en fait, il n'y a pas de... On peut aller nulle part. Ah ta mère, faut recommencer là. Alors donc on va réavoir peur ici. Vous allez voir là, on va réavoir peur. Là. Là. Du coup, ça fait vachement moins peur. Je vais pas m'enfuir. Je peux pas m'enfuir, je peux pas m'enfuir. Qu'est-ce que je fais là? Ok, tranquille. Tranquille. On est remonté. On est remonté, on va aller poser la pièce si on peut. Si on meurt pas avant. Ok, donc cette pièce-là, ça faisait partie de... Ok, ça a ouvert la porte. Automatiquement, ça a ouvert la porte qui est... Là-haut. Et ben non... Ah non, il m'a dit de repasser par là. Et on en revient. J'y vais même pas. Oh putain, faut pas y aller. Et bon, on va s'arrêter là. Si vous laissez la surprise de savoir ce qui se passe là-bas, charger une partie, je peux pas sauvegarder là où je veux. Hein. Par contre, ça vient de sauvegarder, donc donc c'est pas mal. On a compris à peu près le principe. Qui donc... c'est trop énorme. Qui donc nécessite d'aller... de pièce en pièce, mais en reconstituant les morceaux de maison, parce que sinon on n'y a pas accès. Donc c'est un jeu d'horreur, hein, avec notre ennemi principal, c'est lui là, le salaud, hein, qui fait super peur, qui m'a tué la première fois, je sais pas comment, voilà. Et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à aimer. Je crois que c'est un jeu qui est connu à peu près sur Steam, il doit pas être trop indépendant. Je sais pas du... Oui, en plus, ouais, non, je sais pas. Mais ça fait un moment que je le voyais passer, donc de nom, je pense que tout le monde le connaît, mais pas forcément tout joué. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, comme je vous ai dit. A très bientôt d'ici là, portez-vous bien et n'ayez pas trop peur. Salut !